Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on reviendra comme chaque lundi sur les faits marquants de l'actualité, notamment le tournoi international futur 2 de tennis organisé à Hedda par la Fédération Algérienne. C'était le week-end dernier, le tennis qui sera d'ailleurs le thème principal de ce 32e numéro. Le basketball, on connaît désormais les finalistes du championnat GS Pétrolier Union Sétifienne chez les messieurs et GS Pétrolier à Hussein des Marines chez les dames. Le champion olympique du 1500 mètres, Toufiq Mkhloufi, entame sa saison sur piste par une performance moyenne sur 800 mètres, 1.44.91. Et dans la deuxième partie, on rendra un hommage à un de nos collègues, Bachir Mahez, qui est parti en retraite la semaine dernière. On parlera surtout du modèle de réussite dans le journalisme sportif. Tous ces thèmes à développer, comme chacun dit, avec nos invités respectif et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir, Abdelnour Belkhir, qui est plus élégant que moi aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il va nous présenter un invité de marque aujourd'hui. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. J'ai le plaisir de partager ce petit brin de causette avec vous, Mokhtar, qui tout le monde le sait, vous êtes quelqu'un de très aimable, de courtois, de gentil et puis d'élégant aussi. J'ai le plaisir aussi de d'avoir en face de moi le docteur Mohamed Bouabdallah, qui n'est autre que le président de la fédération. Mohamed Bouabdallah, que j'estime beaucoup, compte tenu de son excellente éducation. Et puis c'est quelqu'un qui a toujours été l'ami des sportifs algériens, en témoigne les nombreuses connaissances qui lui vaut énormément de respect et d'admiration. Encore une fois, merci beaucoup. Docteur Bouabdallah, c'est toujours un grand plaisir que je reviens sur le plateau de Canal Algérie. C'est vrai que vous êtes un habitué. Absolument. Et puis on revient avec toujours une grande satisfaction. À chaque saison, on va dire à chaque fin de saison, on revient sur ce qui a été fait de bien par la Fédération algérienne. C'est encore une fois un grand plaisir de vous avoir parmi nous sur le plateau. On revient surtout sur l'organisation des différentes manifestations sportives, notamment les tournois internationaux ici en Algérie. Effectivement, nous avons déjà eu une semaine avant qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Nous avons eu la participation de 18 pays, ce qui est quand même chaque année, il y a une augmentation. Ça prouve que la Fédération algérienne de tennis et notamment la Ligue d'Oran, qui commence à avoir une capacité organisationnelle dans ces tournois. Et bien sûr, c'est un plus pour la Fédération, pour le tennis algérien par rapport à la Fédération internationale de tennis. Pour la deuxième compétition qui s'est déroulée à Benaklou, effectivement, il y a eu un grand niveau. Là, franchement, il y a eu un grand niveau au niveau des joueurs, et une belle organisation. Le nombre de pays également a augmenté. Et nous avons eu aussi, nous avons apprécié la présence de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était parmi nous lors de la finale. Absolument. Et je trouve que c'est un plus, c'est un encouragement pour l'organisation. Le ministère. Ah bien sûr, je le dis très sincèrement, spécialement avec le ministre qui donne un grand coup au tennis. Nous l'avons vu lors de ses interventions, notamment pour les infrastructures, où il nous a permis de rencontrer pour la première fois, je dis bien, dans l'histoire du tennis algérien, où les directeurs de jeunesse et des sports ont été convoqués en présence des membres de la fédération et nous avons pu exposer tous les problèmes, et notamment sur les infrastructures. Vous savez que c'est bien sûr le problème du tennis algérien.
Très bien. Vous organisez donc un circuit. Ces jours-ci, ça a débuté à Oran, passant par Benakhmet. Oui, maintenant, c'est à Sidi Ferry, c'est toute la semaine. Une compétition qui devait se dérouler une semaine. La même chose, c'est... voilà. Annaba, c'est dommage parce que nous avons visité Annaba. Les terrains, et franchement, sont dans un état pitoyable. Pitoyable pour la simple raison que c'est la PC qui gère cette infrastructure qui est la Tabacop. Nous avons vu aussi le club de Hama qui sont dans des états franchement de délabrement total. La fédération ne peut pas intervenir. Nous avons intervenu, j'ai eu à l'occasion le plaisir de discuter avec, enfin d'avoir un entretien téléphonique avec M. Louali qui m'a promis que l'année prochaine nous allons l'organiser dans d'excellentes conditions. Voilà, c'est une manière, il fallait tout de suite... Absolument, nous l'avons délocalisé, avec bien sûr l'accord de M. Louali, pour ne pas un peu toucher la famille du tennis à Annaba. Et donc nous le jouons actuellement avec bien sûr l'accord de la Fédération Internationale, parce que ce n'était pas évident, donc à Sidi Ferry. Les compétitions organisées ici en Algérie commencent à prendre de l'ampleur selon vous, puisque déjà en matière de primes, c'est 10 000 dollars pour les 20 ans. 10 000 dollars, vous savez, c'est juste un encouragement, parce que les gens ne viennent pas chercher l'argent, ils viennent glaner des points ATP, et bien sûr, il faut dire que l'organisation, je le dis avec sincérité, je crois que dans le bassin méditerranéen, pour ce genre de tournoi, je crois qu'on est les meilleurs organisateurs, parce que nous leur offrons beaucoup de prestations qui sont gratuites, je le dis, bon, sauf l'hébergement et la restauration, mais comme le transport, le minéral sur le terrain, je crois que d'autres pays ne le font pas. Et c'est ce qui explique le nombre important de nations présentes. Un commentaire, l'œil du consultant, comme on a l'habitude de le faire à chaque début d'émission, à Benoît Boukhel, sur l'Algérie qui organise ce type d'événement. Bon, la politique de la fédération algérienne de tennis est résolument engagée vers l'avenir. Hein. C'est ce genre de compétition qui tombe à pic ces derniers temps. Elle permettra très certainement au futur au tennis algérien de prospérer, de prendre l'essor, et surtout pour les jeunes, parce que tout un chacun le sait, le cheval de bataille de la fédération reste la formation et la prise en charge des jeunes talents qui quand même représentent le blé qu'il lève pour le tennis de demain. Une chose est sûre, c'est que le travail engagé par la fédération est porteur de promesses réjouissantes lorsqu'on sait qu'il y a quand même toute une ribambelle de jeunes tennismen et tenniswomen qui pointent leur bout du nez et qui très certainement vont éclore dans un futur proche. C'est ce genre de manifestations qui, même si pour l'instant ne sont pas marquées par l'empreinte des Algériens, serviront de passerelle pour le passage futur des jeunes Algériens au niveau mondial. Et je suis persuadé que le tennis algérien n'a pas de souci à se faire quant à son avenir. Il y a une relève qui s'annonce particulièrement prometteuse, et je suis persuadé que la politique de la fédération pourra recueillir les fruits de ce dur du labeur engagé sous le signe du rajeunissement des effectifs de l'élite nationale. Et tout comme moi, certainement, et nos chers amis téléspectateurs, vous rêvez qu'un jour que l'Algérie soit présente aux Jeux Olympiques. On est à J-74. C'est certainement très dur pour atteindre les Jeux Olympiques. Vous savez, il y a deux façons d'être au niveau des Jeux. C'est d'être parmi les 100 premiers mondiaux. Oui. Ou la deuxième, c'est d'avoir une wildcard. Nous avons déjà participé, nous avons déjà eu une wildcard lors de mon passage à la fédération il y a une dizaine d'années, c'était pour la mineure. Et il avait fait une très belle prestation avec Robredo qui était 17e mondial. Donc vraiment on n'a pas été ridicule puisqu'on a fait 2-7 très difficiles à Athènes. J'ai assisté au match. Donc, c'était vers absolument 2004. L'ami Wahab qui est en train de faire les beaux jours du tennis marocain, faut-il préciser. Oui, là, absolument. On va revenir en image sur le tournoi futur 2 de Benakhmet qu'a organisé la Fédération algérienne de tennis avec la présence de 18 nations. Le reportage est signé notre spécialiste, comme d'habitude, Rochdi Abdellahoudja. Pour ce deuxième tournoi ITF professionnel circuit international doté de 10 000 dollars, la Fédération algérienne de tennis nous propose une finale de choix qui a opposé deux espoirs du tennis européen, l'Espagnol Maria Viela Martinez et le Français Grégoire Jaco. Mmh.
Au premier set, les deux joueurs rentrent sur le court avec la même motivation. L'Espagnol break d'entrée pour mener 2-0. Sentant que le set va lui filer, le Français réplique et revient à la hauteur de son adversaire à 3 jeux partout. Le gaucher de cette finale décide de mettre un coup d'accélérateur avec un jeu offensif et puissant. Un échange intense à ce moment de la partie. Le Français use son adversaire avec des remontées au filet et des amortis. Il passe à 4-3. Touché dans son orgueil, l'Espagnol retrouve son tennis. Plus de concentration, de la vivacité dans le jeu et automatiquement des points bien placés au bon moment et au bon endroit. Martinez freine l'élan du Français et remporte le set 6-4. Au second acte, même scénario. Bon début de Grégoire Jacquot, plus lucide dans son jeu offensif, qui voulait prendre à la gorge son adversaire, croyant qu'il manquait d'endurance. Et c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Martinez réagit bien et redevient maître de la situation jusqu'au dernier point. Il remporte le set 6-2. Belle victoire de l'Espagnol sur terre algérienne. Nous encourageons toutes les disciplines sportives. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir et un bonheur d'être parmi les amis, les collègues de la Fédération Algérienne de Tennis. Je remercie personnellement, au nom de tout le département, pour cette formidable organisation, une mobilisation de tout le staff et une participation très honorable. C'était quand même une bonne semaine, plutôt positive, mais un petit peu compliqué cette finale. Il a très bien joué, bravo à lui, vraiment il a très bien défendu, il m'a très bien contré, donc bravo à lui. Mais bon, c'est pour une première semaine algérienne, c'était sympa. C'était difficile pour moi de le battre. On a joué dans de bonnes conditions et j'ai joué mon meilleur tennis et je suis satisfait de mon résultat. Ah, très satisfait l'Espagnol Martinez de cette victoire face aux Français, d'ailleurs une finale très disputée. Très disputée, vraiment un niveau que tout le monde a apprécié. Franchement, on était un peu surpris de ce niveau. On déjà dans les tours précédents, demi-finale. Ah oui, on s'y attendait quand même. Mais c'est des joueurs, vous savez, qui sont 400e, il peut être, il suffit de faire quelques tournois, il peut gagner des points ATP, il se retrouve 100e. Donc c'est, en fait, contre les points ATP, il faut être tout le temps dans le circuit. Dans le circuit, c'est l'enchaînement. Si vous votez 2 ou 3 grands tournois, vous tombez dans le négatif. Donc ça, c'est pas... C'est le cas d'Inès Hivert, qui est passé de la 23e place à la 144e place cette semaine. Absolument, ça, c'est... Connaissez le problème. Pour d'autres raisons, oui. Absolument. Alors qu'elle devait faire une Fed Cup, où elle devait représenter l'Algérie, elle n'a pas répondu à l'appel, et puis elle est partie faire un autre tournoi, et voilà. Elle n'a pas voulu suivre le programme fédéral, ouais. Ça c'est son père qui a décidé, voilà. Bon, toujours est-il, elle pourra participer à Roland Garros junior là, parce que les points étaient comptés avant et maintenant pour le reste, le global et le je pense pas que ça puisse être possible. Une Algérienne qui a brillé au mois de février, c'était à Hydra, tournoi international, c'est Linda Benkhadour. Oui, c'est une joueuse prometteuse qui nous a fait quand même beaucoup de... On a eu beaucoup de satisfaction avec elle, notamment au Maroc, elle avait gagné quand même un championnat d'Afrique. C'est une fille à encourager et la fédération fait le maximum pour l'aider. Bon, elle a eu des petits problèmes de santé. Bon, le papa s'en est occupé puisqu'il lui-même est déjà médecin. Ouais. Je pense que la fédération va donner un bon coup de, comment dirais-je, une bonne aide pour cette joueuse. Un coup de pouce pour cette joueuse pour qu'elle atteigne un plus niveau. Vous restez avec nous. Le tennis, c'est le thème principal, mais également on parlera des autres disciplines. Et on commence par l'athlétisme. Abdelnour Belkhir, avec un commentaire, s'il vous plaît, sur le début de compétition, le début de saison sur piste pour Tofik Mkhloufi, le champion olympique. Je le disais tout à l'heure, j'avais osé de dire c'est un chrono moyen sur le 800 mètres 1:44.91 en meeting de Rabat, une deuxième place. C'est le même commentaire ou bien c'est différent? Enfin, c'est quand même une performance qui moi j'ai comparé par rapport à son record.
C'est une performance quand même qui est encourageante, qui permet à Toufiq Mkhloufi de se remettre en selle, lui qui a eu des soucis ces derniers temps. Et je suis sûr que c'est quand même une performance qui lui permet de renouer avec la forme, la grande forme qu'on lui a connue durant l'année olympique. Lui-même, il est content de sa performance. Une 44-81 sur 800 mètres, c'est quand même une performance assez digne d'intérêt, notamment quand elle arrive au tout début de cycle compétitif. Et il a été battu dans les toutes dernières longueurs par l'espoir français Jean-François Boss, qui a réalisé une 44-51, donc il était à deux ou trois foulées de l'athlète algérien. Toufiq Mkhloufi, de par cette performance sur une distance qui n'est pas sa distance de prédilection, puisque lui il est spécialiste du 1500 mètres. Comme généralement, il commence par le 800 mètres. Il commence par, c'est pour se mettre en appétit, et c'est une performance qui lui permet de se rassénérer à quelques jours du cycle compétitif de la Golden League. Et je suis sûr que c'est quand même une performance qui lui permettra de se requinquer et puis de retrouver son meilleur niveau, pour peu qu'il garde un peu la tête et sur les épaules et les pieds sur terre, d'autant plus que lui, et c'est quelqu'un qui a toujours été un peu, entre guillemets, frivole. C'est quelqu'un qui n'a pas su répartir ses efforts, et j'espère que cette fois-ci il a tiré les leçons qui s'imposent et qu'il aura toute la possibilité de faire du chemin d'ici les Jeux Olympiques, où il aura à cœur de défendre son titre. Espérant qu'il sera prêt pour les Jeux Olympiques. Le meeting de Rabat qui progresse d'année en année, cette année il figure parmi la liste des meetings de la Ligue de Diamants, s'il vous plaît, alors que le nôtre a totalement disparu du programme. Le meeting de Rabat, qui est bien assis au calendrier international de l'IAF, a toujours été quand même une manifestation de premier ordre, compte tenu de la participation extrêmement importante des athlètes. Quatre meilleures performances mondiales ont été réalisées. Quatre meilleures performances qui ont été réalisées sur le terrain sur la piste de Rabat, ce qui n'est pas peu. Et je suis sûr que l'organisation, une fois de plus, a été à la hauteur des ambitions de ces athlètes. La preuve, les résultats d'ensemble qui ont été réalisés ont été dignes des grands meetings européens, alors que le meeting d'Alger, qui a souffert un peu de l'incapacité des organisateurs à présenter le meilleur plateau possible. Et à préserver, préserver un peu la réputation qui était pourtant bien établie au départ. On avait bien démarré. Moi, je souhaite vivement que le meeting d'Alger retrouvera un peu sa vocation première, celle de réunir quelques-uns sur le plateau, quelques-uns des athlètes de renom mondial. L'Algérie a les potentialités qu'il faut pour faire en sorte que le meeting en question soit une des références à l'échelle mondiale. Il faut qu'il y ait d'abord une piste à Alger pour organiser le meeting international d'Alger, puisque la piste du stade annexe est dans un état lamentable et encore organisé, même le championnat national vient juste après l'Olympique du Caire. La piste du 5 juillet qui est extrêmement saturée. Elle est pleine de bosses. Elle est pleine de crevasses, ce qui devient un danger potentiel. Et le docteur est là pour en témoigner. Ce qui devient un risque potentiel pour les athlètes qui deviennent une proie pour différentes blessures, des lésions entre autres. Des déchirures, des tendinites, des périostites, et j'en passe. Docteur, je crois qu'il a tout dit. Absolument, c'est les bobos habituels, mais la piste doit être dans un état parfait dans ce genre de sport, l'athlétisme. Alors il suffit d'un seul travail numéro un. Absolument. C'est l'outil de travail numéro un. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine, ce n'est pas uniquement les infrastructures. Je crois que la majorité ne sont pas dans les normes. La majorité ne sont pas dans les normes. Le ministère essaye de régler tout ça, mais je crois que c'est au niveau je ne dis pas tout le monde, de direction de jeunesse et des sports, un peu dans tout le territoire, qui ne jouent pas le jeu, qui ne font pas appel à l'expertise de la fédération.
Je vous donne l'exemple du tennis. Il y a quelques jours, on nous a contactés pour aller visiter une infrastructure pratiquement qui est en voie d'achèvement à Boumerdès, à Courson, qui est vraiment un central qui a coûté les yeux de la tête. On se retrouve avec un terrain qui ne répond pas du tout aux normes, avec les deux terrains. Ça, parce qu'on n'avait pas associé les gens. Absolument. Et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et c'est dommage, franchement. C'est même, je pense qu'il faut prendre des décisions à ce niveau. Il faut prendre des décisions et surtout à chaque fois associer les bonnes personnes au projet. On reste avec l'athlétisme pour parler cette fois-ci de semi-marathon. Vendredi, c'était vraiment la journée des semi-marathons, à commencer par celui de la Sûreté Nationale, le 9e du nom. Point de départ à Sofia, arrivée l'école de police de Dalhamiz. Participation de plus de 2000 athlètes, tout corps confondu. Retour sur cette compétition et on se retrouve juste après. Encore une fois, ils étaient très nombreux à prendre part à un semi-marathon qui prend de l'ampleur au fil des années. Marathon, 9 ou 8 km, de Khorouba à Hamiz. On a participé avec une équipe espoir qui nous permet d'évaluer le niveau de nos athlètes. J'ai 7 jours, on reste dans l'Isna. Le 25, 11, 1936. Le 78, on a fait le marathon. Coup de starter donné, sont suivis le passage d'une véritable marée humaine et en tête de peloton, ce sont les athlètes de la sélection nationale militaire qui donnent le temps d'un 18 km âprement disputé. Slimane Moulay, Rabah Khouas et Deli Ahmed mènent au train les 10 premiers kilomètres. Arrivés au Caroubier, ils rejoindront les dames qui prennent à leur tour le départ pour une distance de 9 km. À mi-chemin, le trio de départ maintient la cadence alors que chez les dames, les athlètes de la protection civile imposent un rythme d'enfer aux autres concurrentes, notamment celle de la Sûreté Nationale. À l'approche de l'arrivée, la course s'emballe, la Bahrouas place son accélération au bon moment pour surclasser ses deux coéquipiers Nassim Dreyfel et Deli Ahmed. Une domination qui fait le bonheur de l'entraîneur. C'est tradition pour nous de participer au semi-marathon de la Sûreté Nationale. Pour nous, c'est une étape de préparation et évaluation de nos athlètes et la préparation aux différentes échéances internationales qui nous attendent pour cette saison. Quelques instants plus tard, le rouge et le jaune font leur apparition avec l'arrivée des trois sociétaires de la protection civile. Victoire logique pour un club bien structuré. السباق هذا كان في المستوى اليوم وهو محطة من محطات التحضير لأنه كامل بنات الحمية المدنية راه في المستوى هذا العام وكامل راه في الفريق الوطني. Et en guise de récompense, les lauréats ont eu droit à des médailles et des présents. Vivement la 10e édition. Alors vivement la 10e édition, ça sera la saison prochaine avec plus de participants et surtout de très bonnes performances quant à l'organisation. Rien à dire, elle était parfaite. Courir et surtout choisir, je profite de l'occasion puisqu'il y a ici un docteur et un spécialiste en athlétisme, choisir sa paire de chaussures, très important. Bien sûr, c'est comme le tennis, hein. Si vous ne choisissez pas la bonne raquette, vous allez avoir des problèmes. Donc si on n'a pas la chaussure idoine qui répond aux normes, nécessairement on a des problèmes. On a des problèmes d'abord en matière de performance et notamment en matière de problèmes de santé. Quel est le conseil par rapport aux athlètes, surtout les premiers participants, les sédentaires, ceux qui veulent courir des semi-marathons et qui choisissent des fois des paires de training qui ne sont pas adéquates à la compétition? C'est très simple, il faut avoir affaire à des professionnels, c'est tout. Le choix doit revenir à des professionnels de l'athlétisme, c'est les seuls qui sont habilités à donner des conseils. Abdelmoud? Bon, courir pour la santé, c'est excellent. Courir régulièrement, c'est encore mieux. Et puis, c'est une discipline qui est naturelle, la discipline la plus naturelle qui soit. Courir, c'est naturellement qu'on le fait. C'est comme marcher. Et on peut le faire dès le bas âge jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais une chose est sûre, c'est que pour ceux qui s'entraînent, qui veulent s'entraîner, qui veulent pratiquer une marche, le sport, enfin le footing ou la marche d'une manière régulière, il faut qu'au préalable, ils passent une visite médicale. Et le suivi médical leur permettra de s'entraîner sans crainte aucune. Ça, c'est le minimum qu'ils puissent faire. Aussi, le port de chaussures appropriées reste quand même
un impératif absolu, parce que courir sur du bitume, généralement sur du goudron, sur du macadam, ou courir sur des sols qui ne sont pas appropriés, qui sont durs, peut entraîner, quand on ne porte pas de chaussures appropriées, différentes lésions articulaires, musculaires, tendineuses, ligamentaires, et puis même il y a des risques de fatigue, Donc, surtout les pieds doivent être soulagés, les pieds doivent être doivent porter des chaussures qui ne sont pas trop serrées, très souples et pas très plates, parce que des chaussures plates peuvent occasionner des dégâts aussi au niveau de différentes articulations. Aussi, comme tout un chacun le sait, la santé des pieds est d'une importance capitale pour la santé de l'individu lui-même. Donc il faut accorder toute l'importance qu'il faut aux pieds, les soulager de temps en temps, les mettre dans des bains de boue, des bains de soleil, et puis des massages, pourquoi pas. Donc c'est quand même un aspect de la préparation importante, les pieds, même pour le plus commun des citoyens, bien s'occuper des pieds reste quand même un comportement d'une importance capitale, je dirais. Voilà, choisir sa paire de... Oui. Faudra peut-être, j'insiste un peu sur le côté de visite médicale, comme vous l'apportez, c'est très important. Moi, j'ai vu cette manifestation, là, maintenant, le concours là, de la SSL, c'est vrai que c'est bien, mais vous avez des athlètes qui sont structurés, il n'y a pas de problème, ils sont suivis médicalement. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas suivis médicalement, le risque de mort subite peut survenir à n'importe quel moment. C'est pour ça que il faut insister sur l'électrocardiogramme. Absolument, avant de faire c'est quand même des trajets assez longs, oui. Avec une chaleur et tout ça, c'est tout un suivi qu'il faut. Hein. Donc il y a la visite médicale, a priori, très importante. Voilà, visite médicale. Et puis, ne pas prendre directement la décision de prendre part à des compétitions de marathon, sans pour autant se préparer pour ça. Faire plusieurs séances d'entraînement, et puis avec l'apport du médecin, du suivi médical, on peut être fixé sur capacité. Est-ce que on peut courir à l'aise? Parce que courir, c'est simple. Hein. Maintenant, tout un chacun peut courir à sa convenance, trouver le rythme qu'il faut, mais avec une hygiène de vie importante quand même. Il faut tout d'abord avaler des kilomètres et s'entraîner et se préparer pour les compétitions comme le marathon ou le semi-marathon. On va revenir, si vous permettez, sur le semi-marathon de Cherchell qui s'est déroulé vendredi. Et justement, on va tout d'abord parler du confort du pied avec Rochdi Abdallah Khouja. Débutant ou habitué, bien choisir sa paire de chaussures de running reste primordial pour nos performances afin d'éviter toute blessure pendant la course. Les baskets de running, est-ce que c'est important pour un coureur? C'est sûr, parce que tant que la basket elle est bien, l'athlète n'aura pas de blessures plus tard. Parce que la majorité des baskets elles sont bénéfiques pour l'amortissement. Parce que le choc, tu as le sol envers le mollet et subi par la basket. Je pense qu'elle est très utile. La chaussure de running est devenue un facteur et un élément essentiel du coureur. Elle va l'accompagner pendant des dizaines de kilomètres. Et quoi de mieux que d'aller du côté de Cherchell pour mettre à l'épreuve ses capacités physiques et son matériel dans une ambiance marathonienne. À la basket, tu fais la tête parce que regardez, là premièrement les genoux qui prennent un coup quand c'est une mauvaise basket. Enfin, quand ça fait un homme, il fait d'être les genoux, les ligaments. Les genoux, ils prennent un coup s'il n'y a pas une belle basket. Surtout les baskets. Avec un coureur, la chose principale qui est bon, c'est un sport gratuit pour tout le monde. Et il peut dire sport. La chose qui est perdue, une belle paire de chaussures. Toutes les conditions réunies, les coureurs ont entamé les 14 km tambour battant. Un rythme rapide imposé par le trio Kharif de Bojbar-e-Rij, Abdelbasset Deltaref et Abdelkader Kenich de l'Olympique de Boudouaou. Le peloton de tête mènera de bout en bout la course. Et au finish, c'est le sociétaire de Bojbar-e-Rij, Kharif Issam, qui sera le plus rapide. Devant Hamel Abdelbasset, Kenich Abdelkader ferme la marche du podium. Je suis content d'avoir gagné la course. Et je suis content pour mes amis. Nous avons terminé ce marathon dans de très bonnes conditions. Dieu merci, c'était de bonnes conditions pour courir un semi-marathon aujourd'hui. Et je dédie cette victoire à tous mes amis.
J'ai terminé à la troisième place du podium. Je suis très content de ma performance et je tiens à remercier le comité d'organisation. Ah, une compétition qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Il y a eu également un autre semi-marathon, c'était à Mascara, la troisième édition du semi-marathon international Emir Abdelkader, avec la victoire de l'Américain Mourad Maroufit et le Kenyan et la Kenyan Reit Chip Kenneth qui se sont imposés chez les messieurs et chez les dames. Voilà pour ce qui est du semi-marathon. On passe au basketball avec le tournoi playoff qui a connu une rude concurrence pour un simple objectif, la qualification pour la finale du championnat d'Algérie 2015-2016. On revient en image, si vous permettez, sur la dernière rencontre entre le GS Pétrolier et l'Union Citifienne. Les Pétroliers se sont adjugés la première place devant l'équipe de Balbeda qui avait gagné son troisième match. C'était lors de l'ouverture de cette troisième journée. Balbeda qui passe en deuxième alors que l'Union Citifienne n'a pas eu la chance. Score à la mi-temps 22-32 en faveur du GSP qui a dominé avant de se faire attraper par les Citifiens en fin de rencontre. D'ailleurs, Faïd Bilal a eu chaud en fin de rencontre et c'est le GSP qui termine bien cette rencontre pour gagner 58-68 et se qualifier pour la finale. On écoute les entraîneurs. C'était un match difficile. Bon, on a pris le large, on a très 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 mal commencé. On aurait pu être on sort du championnat carrément vu comment on a commencé la rencontre. On s'est bien repris. Je pense que les joueurs d'aujourd'hui, c'est les joueurs du banc. C'est ceux qui n'ont pas trop joué, ils étaient plus frais, ils sont revenus, ils ont fait un grand match. Après la défaite d'Albeda contre Albeda, bon, il fallait qu'on revienne, il fallait qu'on montre à notre visage. Ça n'a pas été le cas dans les matchs de la Coupe. Bon, heureusement que dans ce tournoi-là, on est bien revenu, on a fait un bon match contre Albeda. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on était là aussi, que après les rumeurs qu'on a entendu dire que devant le match, je vois qu'on n'a jamais fait, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça. Bon, alhamdoulilah, on a prouvé sur le terrain. Je crois que les meilleurs qui ont mérité de se qualifier se sont qualifiés. Inch'Allah, il y aura une belle finale. Cette année, Inch'Allah, on va faire maximum pour gagner. C'est tout le premier match pour venir à Hydra, pour être à l'aise. Inch'Allah, on a sacrifié cette année, on a travaillé dur. Inch'Allah, on va faire le maximum pour gagner ce titre, Inch'Allah. Jouer contre le GSP avec un effectif amoindri, oui, je pense que ce n'est pas une chose facile. Mais quand même, on a tenu jusqu'au bout. Voilà, c'est la loi du sport, il faut qu'un vainqueur ait un vaincu. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment été bon, surtout dans le jeu intérieur. Nos pivots n'ont pas vraiment fonctionné, c'est ce qui nous a vraiment fait défaut. En plus, le nombre de blessés, ça nous a joué un très très mauvais coup. L'équipe du GS Pétrolier qui termine très bien la saison en première position, avec 11 points, suivi du Serbe d'Albeda, l'autre finaliste avec 10 points, et Sétif termine quant à elle en troisième position. Une explosive finale Abdennour Belkhir ce mardi à partir de 16h à la salle de Dalbeda. Finale aller, il y aura vendredi finale retour et peut éventuellement, s'il y a égalité, il y aura une belle le samedi. Déjà, votre commentaire par rapport à la qualification des deux formations, le GSP et le Serbe d'Albeda. Enfin, ça tourne un peu à la rengaine à chaque. Ces dernières années, on a toujours les mêmes équipes. Eu comme spectacle ce match classique entre Dalbeda et le GSP. Donc mardi, demain, à la salle de Dalbeda, il y aura cette grandiose affiche qui doit nous assurer au présent un spectacle logiquement grandiose et puis un niveau technique qui se veut être de bon niveau. Dalbeda qui croit dur confère
à la victoire est décédé à mettre à rude épreuve le GSP. Le GSP qui reste quand même le GSP, qui est capable aussi de bousculer un peu les locaux, compte tenu de l'expérience du métier de ces joueurs et de l'entraîneur Fahed Bilal. Et donc, c'est un match qui sera palpitant de bout en bout. Et je suis sûr que c'est le basket qui en sortira grandi pour peu que l'ambiance restera salubre du début jusqu'à la fin. Et surtout, vous parlez d'ambiance puisque les Beldaoui seront accompagnés par un nombre public, ça c'est certain. Ah oui, c'est connu. Ils vont faire le plein. C'est connu, le public de Dar El Bayda reste quand même un public omniprésent, fidèle, connaisseur et qui soutiendra. Connaisseur surtout qui soutiendra son équipe du début jusqu'à la fin. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Mais compte tenu de l'expérience du niveau de l'équipe de GSP, je pense que quand même, ça ne sera pas quand même du moins un atout non négligeable pour l'équipe de Dar El Bayda face au GSP qui aura cette lourde tâche de conserver son titre. Un pronostic peut-être du tennisman? Moi j'ai toujours pensé que le GSP avait une longueur d'avance. Donc, vous résumez parfaitement bien la situation. Finalement, ce n'est pas le cas. C'est un match qui sera très serré. Oui, ben, j'espère. De toute façon, je crois que le but, c'est d'avoir une bonne partie, que ça se fasse dans le fair play, surtout le fair play. C'est ça, un match de basket, c'est toujours comme ça. Alors, je rappelle que ça sera ce mardi à partir de 16h à la salle de Dar El Bayda. Vendredi, les deux équipes se reverront également pour la finale de retour à 16h à la salle de Hydra. Et le lendemain, s'il y a égalité, il y aura une belle pour les départager au même horaire, à 16h à la salle Hydra. Voilà pour ce qui est du basketball. Il faut rappeler également que la finale de la Coupe d'Algérie aura lieu le 3 à la salle Harcha entre le GSP sur SP Trollier qui défendra son doublé face à l'Union Sétifienne qui a perdu ses chances en championnat mais qui se retrouve en finale de Coupe d'Algérie. Le basketball féminin avec les demi-finales de Coupe d'Algérie, on connaît là également les finalistes, c'est l'Olympique Club d'Alger qui rejoint Hussein Desmarines qui est présente sur les deux fronts Coupe d'Algérie, finale Coupe d'Algérie et finale du championnat. Retour sur cette demi-finale OCA face aux filles du GF Kouba, un derby que nous raconte Nassima Imloul. Sorti victorieux avec 36 points d'écart lors de la première demi-finale face à l'Union Sportive de Betna sur un score de 89-53, le club formateur Hussein Desmarines, vainqueur du tenant au titre, le GS Pétrolier en quart de finale, s'est retrouvé finaliste pour la Coupe d'Algérie 2015-2016. Une finale 100% algéroise mettra aux prises les UCNDN aux Olympiennes, plusieurs fois vainqueurs du trophée. L'Olympique Club d'Alger s'est à son tour qualifié aux dépens de la jeune équipe GFK par 70-34 durant la deuxième finale de cette Coupe d'Algérie disputée à Staweli. Bon voilà, le match d'aujourd'hui c'était un match un peu difficile. Le fait que la plupart des athlètes, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des juniors, ils sont en période d'examen. On a pu tenir le coup pendant les deux premiers quarts-temps, mais vu leur physique, ils n'ont pas pu quand même rejoindre le terrain pendant presque une semaine. Alors que ça a été pour le troisième et le quatrième quart-temps, on a senti qu'il y avait une fatigue très remarquable sur le terrain. Les joueuses n'arrivaient pas à continuer le match, on a joué, on a perdu, c'est ça le sport. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, on va essayer de faire de notre mieux. Vu le score, sincèrement, on méritait largement la victoire. Je félicite mon équipe pour la qualification pour la finale et pour l'équipe du Kouba de son parcours honorable. Et Inch'Allah, on sera prêt sur la finale le 3 juin à la Saharcha contre l'USAP. Ah, une superbe affiche qui promet en Coupe d'Algérie, Hussein Desmarines, Olympique Club d'Alger et les Pétrolières sont absentes de la Coupe d'Algérie puisque les UCNDN les avaient éliminés au quart de finale. On revient à notre invité, le président de la Fédération algérienne de tennis, monsieur Mohamed Bouabdallah. On a parlé des athlètes, mais on a oublié également de parler des arbitres. Les arbitres algériens sont présents également dans les tournois internationaux. C'est vrai qu'en matière de formation, de l'arbitrage, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, nous avons des arbitres de renom.
Et hier, j'ai eu l'agréable surprise, de, en regardant un match de Roland-Garros, de voir un Algérien, Chérifa, arbitrer. Donc c'est vraiment une fierté pour le tennis algérien. Donc cette année, même à deux. Et nous avons eu aussi la consécration d'un juge-arbitre, oui, pour la première fois, algérien. Habituellement, on était obligé de ramener des juges-arbitres de l'étranger. Cette fois-ci, Hakim Fatah a réussi l'examen. Oui. Donc il a officié d'ailleurs les trois compétitions. Et là, il va officier à Rio et à Wimbledon. C'est important. Absolument. Non, sincèrement, en matière d'arbitrage, je crois qu'on a fait un grand bond. Notre collègue Walid également qui est... Et Walid, bien sûr, qui suit le peloton, mais là déjà, lui, il est appelé à arbitrer bientôt le championnat, je crois, d'Afrique qui se déroule en Afrique du Sud. C'est ton frère qui sera à la chaîne 4. Oui, la chaîne internationale. Radio internationale. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose pour le tennis parce que, bon, c'est vrai qu'il y a les athlètes, mais les arbitres aussi, c'est important. Parlant de, pour rester dans les bonnes nouvelles, Nabila Tizi, la handballeuse algérienne qui évolue dans le club français Brest, a gagné la Coupe de France avec son club et a assuré l'accession au palier supérieur. Voilà pour ce qui est de bonnes nouvelles. On reste avec le handball pour vous dire que il y a eu la 17e journée de la division nationale Excellence Dames avec toujours la domination des pétrolières qui sont allés gagner à Arzeau 18-15, Albia qui domine de la tête aux pieds les Constantinoises du FSC dans 49-12, NRF Constantine qui bat d'un petit but d'écart Hawa Saïd à 26-25, S4 Tougourt qui s'incline par 10 buts d'écart face à Gdiel 23-33, un match explosif samedi prochain. Comptant pour le titre, ça sera peut-être le tournant puisque les pétrolières occupent la première place et les Albiéroises tenantes du titre sont deuxième à 2 points de différence, 30 pour les pétrolières et 28 pour Albiar. Albiar ira visiter les pétrolières avec l'objectif de les battre et surtout d'obtenir le doublé puisqu'il y a de cela 2 semaines, elles ont gagné la Coupe d'Algérie. Voilà pour ce qui est du handball. Transition et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Puoi avere le braccia di Ercole. Le gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro. Avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me è questa l'anima delle Olimpiadi. Les Jeux Olympiques, c'est dans 74 jours, plus exactement. Les Jeux Olympiques, la télévision algérienne sera bien évidemment présente au rendez-vous. Et donc, on revient à notre invité avant de passer à la deuxième partie pour parler également de sa discipline chère. On a parlé d'Inès Ibou, on a parlé de l'arbitrage. Prochaine compétition que vous organisez, c'est au mois d'octobre, et mois de septembre et mois d'octobre avec deux tournois WTA et un tournoi ITF Junior. Absolument, c'est bien sûr, il n'y a pas que chez les hommes. Nous organisons des tournois féminins internationaux, oui, de la même envergure. Je crois que pour cela, nous avons les capacités. Il y a un tournoi ITF qui concerne les jeunes joueurs. Mais avant tout ça, l'Algérie participe déjà à la Coupe Davis. La Coupe Davis à Madagascar. Donc c'est en juillet et nous avons un groupe A, disons assez intéressant, et nous risquons donc de peut-être passer au groupe suivant. Tout dépend, nous allons engager des jeunes joueurs. Il y a cette participation, il y a la participation également de il y a un grand tournoi aussi mondial de beach tennis, oui, c'est nouveau. Et comme nouvelle compétition, pour la première fois, l'Algérie va participer. Ça se déroule à Moscou. Donc, nous avons une petite équipe qui a vu le jour ici à Alger, donc sous l'égide de la fédération. Donc, nous comptons participer pour être présents. C'est toujours sous l'égide de la Fédération internationale de tennis.
Beach Tennis. Il y a également un grand événement qui doit se dérouler en octobre. C'est une épreuve continentale, enfin disons un séminaire continental concernant les entraîneurs. Ça, nous comptons l'organiser ici et c'est une fierté de l'organiser parce que la Fédération internationale est présente et c'est excellent un peu pour nos coachs. Nous aurons l'occasion donc de faire participer un grand nombre d'entraîneurs ici pour qu'ils apprennent les dernières connaissances. Nous avons quand même un riche programme et bien sûr nous avons le Grand Prix de la jeunesse qui doit se dérouler ici à Alger en juin. Il ne faut pas oublier, c'est un tournoi vraiment réservé aux jeunes et qui est très prisé parce qu'il y a beaucoup de points à gagner et beaucoup d'athlètes. Très bien. Un riche programme, on l'aura compris, vous serez certainement accompagné par la presse algérienne dans ses différentes formes, et surtout la presse spécialisée. Vous connaissez Bachir Mahrez? Oui, bien sûr, Bachir Mahrez. Qui ne connaît pas Bachir Mahrez? C'est un grand nom de la presse algérienne, notamment de la télévision algérienne. Absolument. Il est parti en retraite la semaine dernière et c'est pour ça qu'on lui consacre la deuxième partie. Et pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir pratiquement, j'allais dire, son frère, un ami à lui, c'est aussi à moi. Donc, ils sont un groupe très solidaire, lui et Habib Mali. Et je parle bien évidemment de Abdelzak Dakar, monsieur Abdelzak Dakar, vous également vous êtes en retraite. Merci d'accepter notre invitation déjà. C'est moi qui remercie Canal Algérie et notamment l'équipe sympathique de Seconde Corona et Palais de Mahrez qui est un monument du journalisme sportif. C'est d'autant plus avec beaucoup plus de plaisir que je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Vous allez trouver les mots pour le faire, j'en suis sûr. Pourquoi vous invitez vous? Parce que vous connaissez parfaitement bien, vous connaissez son vécu et surtout sa riche carrière. Et on parle là beaucoup plus de modèles de réussite dans le domaine journalistique. Oui, Mahrez passe pour être un grand journaliste. Cela lui fait déjà 40 ans qu'il est l'hôte de tous les foyers algériens à travers la lucarne de la télévision. Ça fait 40 ans de labeur et il a toujours été très droit. C'est quelqu'un qui est passionné par ce métier. Il faut le voir dans les salles de presse. Non, surtout au niveau des championnats et des compétitions internationales. Comment il prépare. Comment il prépare, il se documente, il est minutieux, méticuleux. Et en plus de cela, il est au service des autres. Il a toujours été au service des autres. C'est vraiment un modèle aux côtés de Idriss Dakir. Qui est un ami aussi du même groupe et qui est un modèle pour nous, qui a été un modèle pour nous depuis 40 ans. Deux projets différents. Je voudrais peut-être ajouter que Mahrez, j'ai eu le plaisir et l'honneur de partager quelques moments avec lui dans la presse écrite. Oui. Chose que c'est rare, sont les gens qui le savent peut-être. On a fait nos premières classes au journal Chat, et dans la rédaction de Chat, aux côtés de grands noms de la presse sportive. Et c'est là où on a appris à faire nos premiers pas dans la presse sportive. Très bien, on va suivre toutes ses qualités et surtout revivre les moments, ou plutôt sa riche carrière, en 7 minutes à travers ce portrait que nous lui avons consacré. اليوم راح تكون نورية بين يدي مرة من 100 متر الأخيرة سرعة كبيرة من نورية بين يدي مرة الصراع سيكون كبير مخلوق بتوفيق محاصر من كنيين شوف السباق التكتيكي مرتين منصف في المقدمة في مقدمة هذا السباق يزيد من سرعة ويبرز كأفضل عداء على المستوى العالمي Salarié administratif, comme on dit, mais notre travail ça va continuer. Moi je suis journaliste, je suis toujours à la lune,
Justement, je parle de la circonstance, comme l'occasion m'est présentée. Le premier jour que je suis rentré à la RTA, Radio-Télévision Algérienne, c'était votre feu père, Hamani Abdelkader Mayahmo. J'ai démarré avec lui. Et je termine ma carrière avec le fils, Mokhtar Hamadi. Vous savez, on dit souvent que l'homme n'est en fin de compte que sa propre mémoire. Et je crois que lors de notre carrière journalistique, je crois que, et je le pense profondément, que Bachir Mahrez fait partie ou occupe une grande partie de cette mémoire. Quand on dit Bachir Mahrez, c'est automatiquement la personne qui nous a vraiment fait rêver quand il commentait la NBA. Je l'ai connu en 93. Et donc, avant d'arriver à la télévision, je le regardais, je le suivais avec passion. Parce que lui, c'est quelqu'un de passionné de ce sport et de ses commentaires légendaires. On n'oublie jamais les derniers mètres de Ben Idem Rah en 2000. Donc. Depuis que j'étais au lycée, j'ai rêvé de faire journaliste, surtout côté politique. Mais vu que j'étais ancien basketteur, ancien sportif, j'ai vu que le sport va bien pour moi. J'ai démarré en tant que rédacteur d'autopigiste dans le journal Chien pendant 3 années, 77 fois, pendant mes études universitaires. Ça m'a donné une expérience, la presse écrite. Et puis, ça a été la télévision depuis décembre 1980. Jusqu'à présent, ça fait 36 ans déjà de travail à la télévision où j'ai commencé à l'ERT et à la radio-télévision algérienne. Et puis, ça a devenu l'ATP. قبل 81 يوما عن انطلاق العاب ريو الأولمبية تتعالى الأصوات ويتعدى النشاط اللجان الأولمبية وحكومات بعض الدول التي وجهت لها عديد الاتهامات. بشير محرز لما التحقتنا بالتلفزيون الجزائري من الإذاعة الوطنية وجدت عميد من أعمدة القسم الرياضي خاصة من الناحية التنظيمية. بعد 10 ans plus de 25 ans passé avec بشير محرز je peux vous dire que en plus d'un collègue, c'est un très très bon ami. Et j'ai connu Mahrez surtout sur l'aspect de son grand professionnalisme. C'est un grand professionnel de la télévision. عن نفسي أقول إنه خسارة ليا إني نلتحق بالقسم الرياضي أول قليلة غادر فيها بشير محرز لأنه يبقى مدرسة للإعلام الرياضي الجزائري. كجيل ربما احنا جديد في القسم الرياضي استفدنا الكثير من خبرة بشير محرز الذي تعلمنا منه عدة اختصاصات في عديد رياضات. خسارة أن يفقد ربما القسم الرياضي بالتلفزيون الجزائري لبشير محرز الذي سيغادرنا ربما في الأيام المقبلة على التقاعد. محرز بشير محرز نقوله معلم من التلفزيون الجزائري صحفي يعرف تقريبا كل الرياضات مختص في كل الرياضات بين قوسين ألعاب القوى الرياضة كرة السلة بالطبع. رفع الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى عليها حيث تطالعنا آخر الأخبار باعتذار وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو. Une expérience de Jeux Olympiques. J'ai couvert 6 Jeux Olympiques depuis 1988. J'ai raté les Jeux de 2004 à Athènes, mais jusqu'au dernier Jeux de Londres. Autour de 2012, je les ai couverts toujours avec l'athlétisme, la voie, etc. C'est une passion. Aussi, les championnats du monde d'athlétisme aussi. J'ai vécu les championnats du monde en tant que journaliste, en tant que passionné de l'athlétisme. مخلوفي في المركز الأول. مخلوفي في المركز الأول 150 متر. زيت يا مخلوفي بالسرعة. زيت يا مخلوفي بالسرعة. مخلوفي بهذا السباق. يا سلام. سرعة كبيرة من أوريا بين الدبرة. لازم تزيد من سرعتها في الآن. قوة عند المتسابقات الأخرى يا أوريا بين الدبرة حقيقة في المركز الأول. جاء
J'ai eu de la chance de les commenter, Hassiba, Morsli, et Toufiq Mahloufi, Nouria Ben Amrrah, Gurni, Hamad. Au début, c'était avec nos anciens collègues, Benet Fouadi. Je commentais avec lui l'athlétisme. Et puis, il est parti en retraite. Je me retrouvais seul dans cette discipline. Quand je commente l'athlétisme, je veux que le téléspectateur vive cet événement. Nous souhaitons une retraite paisible auprès de sa famille et je souhaite qu'il continuera à activer sous une forme ou sous une autre. Tout début a une fin et dans la vie il faut toujours garder espoir parce qu'il est en bonne santé. Mais on espère le revoir, pourquoi pas, avec nous en tant que collaborateur, pourquoi pas. نتمنى له ان شاء الله حياه سعيده فيما تبقى من مشواره ان شاء الله بشير محرز دائما تبقى في قلوبنا وتبقى في عقولنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ربما في حياتك المستقبليه بشير الى اللقاء وزت دي ميساجي pour le public vous retransmettez des messages des événements etc mais il faut être rigoureux dans le travail pour la réussite. Et Inch'Allah, vous réussissez tous dans votre travail. On termine par le conseil de Bachir Mahrez. C'est vrai que Yassine Bouloulam nous le disait en antenne, c'est vraiment un déchirement quand un collègue, c'est pratiquement un membre de famille qui part en retraite. C'est ce qu'on ressent, un déchirement quand quelqu'un... Oui, c'est pas facile de vivre cet instant, mais bon, que... Antenne, Abdelnour me disait que Béchiri, c'est maintenant qu'il va donner plus avec le recul, il va être très disponible, très disponible. Il peut encadrer, il peut faire beaucoup de choses, d'autant plus qu'il a bien réussi sa vie professionnelle et sa vie tout court. Il a beaucoup d'autres qualités que le portrait. Le portrait a été bien fait. Oui. Par toi, Mokhtar. D'ailleurs, tu m'inspires un qualificatif qui sied à Mahrez, c'est qu'il est très adroit. Ouais. Et il est très droit. Il est adroit au panier de trop plein. Je pense que vaut mieux l'avoir dans son équipe qu'en face. Et ça, tu le sais, moi aussi. Ouais. Mais chose qu'il faut aussi marquer, qu'il faut dire, c'est qu'il a réussi sa vie. Il était très, très, très proche de ses enfants, de sa famille. Oui. Sa famille l'a bien porté. Et c'est difficile en tant que journaliste de surtout réussir dans le domaine et surtout gérer sa famille. Absolument. Et je dirais un peu plus, c'est beaucoup plus difficile pour les journalistes sportifs qui ne sont pas disponibles tout le temps, surtout les week-ends. Il y a un rythme infernal à gérer. Les journalistes vous ont souvent, docteur, accompagné dans différentes compétitions. Quand il y a un journaliste qui fait très bien son travail, qui joue très bien son rôle, positivement, dans le développement surtout de la discipline, ça ne peut que vous aider. Dans... Oui, mais c'est un plus. Moi, je vous donne l'exemple de Omar Aitouzian. Oui, 0-0. Qui a fait énormément pour le tennis. Récemment, c'est 80 ans. Absolument, absolument. Ouais. Et je vous assure qu'il a rendu un grand service au tennis algérien, parce qu'il a un peu maintenu la discipline, même dans les plus mauvais jours. Les pires moments. Oui. Voilà, les pires moments. Sincèrement, on lui doit beaucoup pour le tennis algérien. Et c'est le cas pour Bachir Mahrez, Driss Daqiq, Abdelzak Dekar, Habib Ben Ali. La chance que vous avez eue, Abdelmour Belkhair, c'est que vous avez couvert Bachir Mahrez quand il était athlète. Oui, moi j'ai connu ces 40 ans de sincère amitié avec lui, tout comme avec Abdelzak qui est un ami de longue date. Bachir Mahrez, moi je l'ai connu, il était pratiquement universitaire et il jouait au basket et moi j'étais chargé de couvrir les événements sportifs en matière de sport universitaire et scolaire et c'est là où je l'ai connu en tant que joueur. Il était un joueur adroit comme le disait Abdelzak, c'est un journaliste qui fait désormais partie de la crème de la presse sportive algérienne. C'est quelqu'un qui fait passionnément son métier, qui a toujours eu le souci du moindre détail. C'est quelqu'un
qui a, avec son sourire communicateur et puis avec son sens aiguisé de la communication, a toujours forcé le respect dans pratiquement toute la corporation. C'est l'ami de tout le monde, c'est l'ami des journalistes sportifs, c'est l'ami des sportifs de course, c'est l'ami des responsables. Je ne l'ai jamais vu placer un mot plus haut que l'autre, je ne l'ai jamais vu en colère. C'est quelqu'un qui a toujours eu pratiquement une bonhomie, un savoir-faire qui plaisait à tout le monde. C'est aussi un des rares journalistes sportifs algériens Omnisport qui réussissait à faire des commentaires dans différentes disciplines sportives, même au plus haut niveau, avec autant de réussite et de bonheur. Mais c'est aussi quelqu'un qui a donné de lui-même, qui a pratiquement sacrifié une partie de sa vie de famille pour le sport et pour la jeunesse algérienne. Donc sa retraite peut-être nous fait mal à nous tous, hein. On aurait aimé le voir. Moi je suis retraité, mais je suis toujours en contact. J'espère que lui aussi, il est parti, mais il va revenir. Déjà la retraite. Non, en matière de journalisme sportif, en matière de presse sportive, n'existe pas pratiquement. On peut travailler jusqu'à l'usure, disons. Mais Chérif Mahrez va très certainement revenir parce que c'est comme un poisson qui sort de l'eau, il va mourir. Lui, je souhaite qu'il reviendra, qu'il rebondira. Et je suis persuadé qu'il a encore du jus et qu'il fera plaisir aux Algériens qui ont gardé de lui. Qui garderont de lui l'image d'un homme d'une parfaite éducation, d'un homme d'une droiture exemplaire. C'est quelqu'un qui est entier, qui est authentique, qui a toujours aimé les complicités les plus immédiates. C'est un ami avec qui on a toujours été à l'aise et il servira d'exemple pour la jeune génération de journalistes. C'est pour ces qualités qu'on insiste et surtout qu'on en parle aujourd'hui pour tout simplement donner l'exemple aux jeunes journalistes aujourd'hui, avec tous nos respects pour tous les journalistes, mais il y a des mauvaises manières qui se sont installées. On cherche la réussite à tout prix, mais quand on parle de Bachir Mahrez, quand on parle de Driss Dakhir, quand on parle d'Abdelzar Dakar, des autres journalistes, l'Habib Ben Ali, c'est surtout des journalistes qui ont voulu tout d'abord servir le sport, et tout ce qui est venu après c'est tout bénef. Et donc la cascade de stars est venue automatiquement, naturellement. Absolument, il faut surtout pas ne pas brûler les étapes et suivre les conseils des aînés. Mahrez fait partie de la génération, j'en fais partie aussi certainement, nous faisons partie d'une génération qui est venue de l'université, qui est venue parce qu'elle était passionnée de sport et de journalisme aussi. Je dirais même que nous maîtrisions relativement bien le verbe, ou la parole, chacun dans son petit coin. Et nous avons trouvé des gens qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés, qui nous ont canalisés, et on a pris tout le temps qu'il fallait pour apprendre. Je ne veux pas être le donneur de leçons pour les collègues plus jeunes que nous. Mais le message, si. D'ailleurs, la preuve. Oui. Mahrez, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Mahrez, sur le VTR, parle d'une retraite administrative. Et que certainement, on va le revoir. Sous une forme ou une autre, comme a dit Yassine, comme l'a si bien dit Yassine. Et ça ne va être que bénéfique pour tout le monde, et pour le métier, pour la profession. Voilà, Inch'Allah, on va le revoir. Les cinq dernières minutes de cette émission, on te souhaite d'avoir une longue vie, surtout une très bonne retraite auprès de ta famille. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. Moi, personnellement, tu resteras un modèle, toi et Abdelzar Dakar, et Driss Dakhir, Habib Ben Ali et les autres qui nous ont précédés. Les cinq dernières minutes, je le disais, donc avec notre invité, donc le président de la Fédération algérienne de tennis. Donc on est c'est bientôt la fin de, on est au second tour, au premier tour donc de tournoi de CD Fred. C'est le premier tour. Déjà des nouvelles des athlètes algériens? Nous avons des Algériens qui ont été engagés. Bon, pour la première fois, nous avons beaucoup d'Algériens. C'est un peu l'avantage de ces tournois internationaux en matière de coups, puisqu'ils sont là, ils existent ici. Par contre, si on envoie une quinzaine de personnes à l'étranger, c'est vraiment très coûteux. Donc c'est déjà cet avantage. Le deuxième avantage, c'est que
la majorité ont pris des points ATP. Il y en a qui sont rentrés dans le classement mondial. Prenons l'exemple de Marc-Loufi, qui est très jeune, qui a 17 ans. C'est, je trouve que c'est excellent. Il y a eu Dan dans l'étape d'Oran. Et je pense que c'est ça le plus que l'on peut rapporter au niveau de ces compétitions. Et c'est le but de l'organisation. Absolument. Parce que c'est vrai que les gens disent on ne trouve pas des Algériens en finale ou en demi-finale. Ce n'est pas le but aussi. Il ne faut pas qu'on arrive à dire qu'on ne doit pas organiser parce qu'il n'y a pas des Algériens. Vous allez chez nos voisins à côté, il y a bien un trophée Hassan II, c'est $500,000, il n'y a pas de Marocain également. En Tunisie également, sauf maintenant que la Tunisie commence à avoir de bons joueurs. Oui. Pour les raisons très claires, c'est que beaucoup d'infrastructures, des entraîneurs étrangers, des terrains couverts durant l'hiver. Donc ça, c'est un tout pour avoir de bons joueurs. Pour avoir de bons joueurs, il y a un coût. Il y a des prestations à fournir. Malheureusement, on essaye, nous, en tant que fédération, mais nous éprouvons beaucoup de problèmes. Mais en matière de formation, je pourrais dire que nous sommes à la page. Nous sommes à la page. Pour les jeunes catégories, il y a une ribambelle, comme disait Cyril. Il y a une ribambelle de jeunes qui arrivent, il faut attendre. Parce qu'on ne peut pas, un champion, ça ne se fabrique pas en une année, ni en deux années, ni en trois années. Maintenant, nous avons probablement l'arrivée, grâce au comité olympique algérien et au comité olympique américain, d'un entraîneur qui va venir spécialement, un entraîneur américain, oui, qui va venir bientôt pour couvrir un peu, pour répondre un peu aux jeunes catégories et pour préparer les championnats d'Afrique 2018. Donc c'est un peu toutes ces choses qui sont en train de devenir. Oui, un contrat annuel. Oui. Je pense qu'il sera installé à Sydney parce que maintenant nous avons quand même quelques petites commodités. Et malheureusement, il faudrait aussi que l'on puisse, que l'on pense aussi à réaliser des terrains de tennis à Sydney. Il ne faudrait pas que l'entraîneur soit là et qu'il aille entraîner ailleurs à Bajara ou à. Il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a pas de terrain de basket, enfin de terrain en plein air, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. C'est vrai que nous arrivons dans une période où il n'y a pas beaucoup d'argent miser les choses, mais on patiente et on essaie un peu de maintenir cette discipline et de penser à l'avenir. Voilà, penser à l'avenir, l'avenir tout proche pour l'Algérie, c'est surtout cet événement qui arrive en fin d'été, à savoir les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. L'Algérie part avec un objectif de décrocher 5 médailles, c'est ce qu'on espère pour l'Algérie dans différentes disciplines. Le mot de fin, voilà, on va remercier nos invités. Tout d'abord le docteur Mohamed Bouabdallah. C'est moi qui vous remercie, même si c'est précoce, je vous souhaite un bon médaille. C'est demain, donc ouais. À la famille de Canal Algérie, je vous remercie, et également à tous les Algériens qui nous regardent. Abdelzak Dakar, on va vous dire bonne retraite, vous aussi. Oh, merci, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça roule, comme le dit Ben, beaucoup de succès pour mon jeune représentant José Mbouk. Il reste très peu de temps, et nous le souhaitons les plus belles choses. Et merci d'avoir été avec nous. Abdelmer Belkhir, la semaine prochaine, ça sera le dernier numéro. Ça sera le dernier numéro, mais on sera toujours en totale communion avec les sportifs algériens retenus pour les Jeux Olympiques, qu'on attendra avec une grande impatience. Je tiens, avant de terminer l'émission, à féliciter l'équipe de l'USMA qui a eu le titre, et le Mondia qui a gagné la Coupe, et puis les trois équipes de palier inférieur, Mascara, Boufarik et Biskra pour leur accession. Voilà, c'était le mot de fin signé Abdelmer Belkhir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour le dernier numéro de la saison. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 qui nous a accompagnés à leur tête. Notre réalisateur Saïd Bahadjoum et notre script Fodil Nordine. À lundi prochain.